Ça va pas mal. Attention, les amis, on tient peut-être le tube de l'année, cette chanson. Vous la connaissez peut-être pas, mais sachez que vous allez déjà l'avoir toute la journée dans la tête. Et peut-être même toute l'année dans la tête. Il s'agit du tube anti-coronavirus du ministère de la Santé vietnamien. Écoutez, ça fait un carton. Cette chanson, c'est génial. Cette chanson, elle sort pas de nulle part. En fait, c'est une reprise d'un tube de Mine et Eric. Alors, Mine et Eric, c'est deux stars de la V-pop, la pop vietnamienne. En fait, à la base, la chanson n'avait rien à voir avec ça. C'est l'histoire d'un garçon qui a du mal à canaliser sa jalousie. Mais le ministère de la Santé est allé les voir et leur a demandé de réécrire la chanson et de la réenregistrer. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si Olivier Véran allait voir Aya Nakamura et lui demandait d'enregistrer une version de Dja Dja. Voilà, exactement. Alors, ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur TikTok, où il se passe toujours des choses fabuleuses. Là, en l'occurrence, c'est un challenge lancé par Quang Dang, un jeune danseur vietnamien très connu, qui a créé une chorégraphie lavage de mains très efficace. Regardez ça, c'est très facile à placer en soirée. Donc on se frotte les mains, on frotte, on monte les mains, on monte les yeux et la bouche qu'on ne doit pas toucher. Voilà. Et donc cette chorégraphie, elle a été reprise des millions et des millions de fois sur TikTok. Je vous vois tous rigoler, mais sachez que vous danserez bientôt tous comme ça en soirée. Donc, Je suis pas sûr. La question. Moi, je garde les sacs. Regardez. Et on se frotte au-dessus, et on se frotte au-dessus. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche? Eh ben, c'est assez difficile à dire, forcément. Mais je vous ai quand même sorti les chiffres de l'épidémie au Vietnam. Regardez un petit peu. Donc, au Vietnam, un pays de quasiment 100 millions d'habitants, il y a 16 cas, 16 guérisons, sachant qu'ils partagent quasiment 1300 km de frontières avec la Chine. Mm-hmm. Peut-être que la V-pop est en train de sauver le pays du coronavirus. Coronavirus has since spread to more than 60 other countries who've handled it with varying degrees of success. Vietnam, for instance, moved quickly and, among other things, produced this incredible public information video about how to limit its spread through proper hygiene. Yes, 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 yes! Vietnam made a song about washing your hands to prevent coronavirus infection, and it absolutely slaps. That's a genuine club banger right there. In fact, people like that song so much, it even became a TikTok dance challenge. The song's incredible. It makes all other songs about washing yourself look like trash. And I'm talking to you here, Ernie. Look, you've been on top of the pile for a long time, but you got complacent, didn't you? And while other artists were out there innovating, you kept singing the same old ducky song. You lost the hunger, son. You fell asleep at the wheel and music moved on without you. And this is more important than it might sound. Wash your hands regularly for at least 20 seconds. And I know that that last lesson is boring and easy to forget, but luckily, we now know that there is a way to ensure that it absolutely never leaves your head. Hit it.
Yes, 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 yes.